À Marseille, on a besoin de moyens, on a besoin de force, on a besoin de pour arrêter tout ça parce que c'est les gens en ont marre ici. Les gens en ont vraiment marre. Est-ce qu'il faut aller, comme l'a suggéré la sénatrice maire socialiste du 8e secteur, Samia Ghali, jusqu'à envoyer l'armée dans certains quartiers? Pour vous, ça peut coller, ça, dans le Marseille que vous connaissez? Non, ça collera pas. Au contraire, ça, je pense que ça peut créer que d'autres problèmes encore plus importants. Mais par contre, on peut se servir de certaines choses. Les jeunes, les très jeunes qu'on envoie en prison, je parle des mineurs. Est-ce que c'est la bonne solution aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt de se servir de l'armée justement pour ce qui existait avant, pour les construire avec des militaires? Parce que c'est des gens ce sont des jeunes qui n'ont aucune structure. Ils ne vont pas à l'école ou n'y ont pas été beaucoup. Ils ont des structures familiales éclatées, donc c'est très compliqué pour eux. Et ce sont des gens qui ont besoin d'accompagnement. Plus que de. Aujourd'hui, les mettre en prison, c'est les mettre dans un centre de formation de la délinquance. Je parle pour les plus jeunes.